Hello, jour 29. J'espère que vous m'entendez parce qu'il y a quand même beaucoup de vent. On a eu de la flotte cette nuit et ce matin. Là, ça s'est vachement dégagé. C'est vraiment les surprises de la Bretagne. Au niveau de la météo, je suis très, très perplexe. On est parti un peu tard. On a discuté pas mal ce matin. J'ai traîné à me lever parce que l'averse m'a donné pas hyper envie d'y aller. Ce matin, surprise, au moment de mettre mes chaussures, un crapaud dans mes chaussures. Je vous raconte pas, j'étais enchantée. Voilà, donc là on est parti. J'espère juste qu'on va pas se prendre trop la flotte parce que d'après la météo, il est censé pleuvoir de midi à 19h. On va croiser les doigts et espérer arriver sec. Je suis en train de pousser mon vélo là dans une côte, je galère. Et il y a une fille qui passe là à côté de moi, tout sur son vélo. Qui dit à son gars, ouais j'ai mis l'assistance. Ah bah je l'aurais pas deviné tiens, qui va toute pimpante. Tant mieux pour elle. Même pour les boules, elle me passe devant, elle me dit oh, j'ai mis l'assistance. Ah j'ai mis l'assistance. Hein. Bah moi j'ai pas d'assistance. C'est mes bras et mes jambes à côté. Bonjour. Germany. And you? Okay. From France. Okay. Toulouse. Okay. And you, the starting point? Magdeburg? Magdeburg in Alemania. Ah, Magdeburg. Mm-hmm. Portugal? Französisch. Oh. Un peu. Portugal, à la Grèce, à la Finlande, et en retour. Wow. un peu plus de temps. On vient de rencontrer des gens, on discute. On s'est fait avoir tous les deux avec mon père parce que le sol c'était du sable et le sable c'est juste impossible. Franchement c'est impossible. Et ça arrivait d'un coup le sable. Mon père devant était à vélo, hop il se casse la gueule. A priori il n'y a que le vélo qui est tombé, moi j'ai pas trop vu mais bon c'est ce qu'il dit. Je me moque un peu de lui et juste après je le double à pied. Du coup je me suis arrêtée parce que j'ai vu qu'il était tombé. Et là mon vélo, bam, par terre. J'étais même pas remontée dessus. Donc il y a quand même des terrains, c'est compliqué quoi. Il faut
faut dire ce qu'il est. Des fois, et puis là en pleine pente en plus, quand on s'enfonce comme ça dans le sable, c'est vraiment pas terrible. Mais bon. La gadoue, ça peut être un piège. Oh putain!